Bonjour, bonjour mes petits chats. Donc, je vous prends, nous sommes jeudi 5 mai, il est 8h45. Donc, voilà notre temps d'aujourd'hui, tout gris, mais il fait super doux. Tout gris, mes petits chats. Mais franchement, il fait pas froid du tout. Hein. Ça va peut-être le faire sens inverse, vous savez, gris le matin et là, cet après-midi, soleil, parce que hier, rebelote. Hier après-midi, gris, froid. Et là, je ne sais pas au niveau de la météo. Donc, si vous savez, dites-moi. Vous voyez, c'est des trucs arrangés comme tous les matins. Même chose. Là, j'ai noté, c'est pour vous, c'est votre calepin pour les abonnés, ça. Tous les astuces et tout ça. Donc, n'oubliez pas, la semaine prochaine, il y aura une astuce sur mon autre chaîne. Hein. Hier, j'ai sorti mon maître parce que. En fait, oh ben ça vous devez savoir, parce qu'il y a Dominique, elle peut demander à son mari. Maintenant, on a trouvé des systèmes, mais je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre ce que mon mari, qu'est-ce qu'il me raconte? On veut faire une moustiquaire, c'est ça qu'on appelle moustiquaire. Fait maison, vous voyez, tout le long. Mais je sais pas, mon mari, il m'a sorti de ces trucs hier. J'ai rien compris. Il me dit, faut que je fasse une double porte, faut que je me relie l'offre. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Il me dit parce que faut bien ouvrir, faut faire une genre de porte, mais je sais pas, il veut faire un double. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Enfin bref. Essayez de demander à votre mari, Dominique, ben, les anciennes, je sais pas, Dominique. Dominique et puis à qui? Oh là là. Dominique et Christine, je crois. Enfin bref, je sais plus. Donc demandez, puis dites-moi en commentaire. Alors, il veut de la tuile blanche, enfin de la tuile, le film, le truc, là, le voile, je sais pas comment on dit ça, en blanc, mais j'ai regardé les prix, c'est pas donné. Alors, il m'a dit, il me faut autant de mètres, du coup, je regardais, j'en ai trouvé un à Leroy Merlin, donc 17,40 €, il me dit, il m'en faut deux, parce qu'il n'y a pas les mesures. Je dis, bah, attends, je vais aller voir sur Brico Dépôt, ben, Brico Dépôt est plus cher que Leroy Merlin. Donc je regardais, je dis, ben écoute, pour faire ça, autant qu'on achète tout fait, quoi. Donc hier, j'en ai vu un sur Amazon. En fait, c'est comme un store. Il m'a dit, ouais, ça, je peux le mettre. Donc voilà, c'est ça. Parce que c'était comme un store, vous savez, vous le fixez en haut, puis vous tirez. Mais il veut me faire. Alors, est-ce qu'on peut faire que la partie là? Voyez? Mais il me dit que non, il me dit, je suis obligée de faire tout le long. Donc pareil, hier je vois, pas trop cher, bon on va dire allez 80 € quand même, quoi, mais comme je dis, ça va nous rester des années. Et ben que les maisons me disent, ben non, il m'en faut deux, donc je comprends rien. Je ne comprends pas mes petits chats. Enfin bref. Donc là, c'est de la ficelle à ranger. Attendez, je vais reprendre, je vais me boucher parce que je sens que j'en ai plein dans le nez là. Donc j'ai la vaisselle à ranger. Mais là, on se prépare. Parce que, ah ouais, Alan n'y a pas l'école ce matin, ni demain matin, parce qu'elle est brevée. Donc voilà. Donc là, il est quelle heure? 8h51. J'ai ma fille, elle va arriver vers 9h30 et je vais aller tout de suite à BM pour prendre les produits. Comme ça, je vous ferai voir déjà en rentrant. Je vous ferai voir qu'est-ce que j'ai acheté. Ce que je vous ai dit, hein, qu'est-ce qui est. Produits d'entretien, ben comme là je vois la Décathlon survêt et tout pour rejeter, je vais vous faire voir. Mais tout qu'est-ce qui est alimentation, je fais pas voir, je ne ferai pas voir. Parce que je vois qu'il y a beaucoup d'youtubeurs, ils ont beaucoup de critiques sur ça, donc moi je tiens pas à faire voir. Puis qu'on me dit, oh tu manges ça, mais tu manges pas ça, oh tu prends pas du bio, ou tu prends pas ci, ou tu prends. Donc voilà, ça c'est. Voilà. Donc ça je ne ferai pas voir. Sauf si par exemple un midi ou un soir on veut manger McDo. Hamburger maison, hop, je vais vous faire voir quoi. Là, le clown, il n'y a pas longtemps qu'il s'est levé. Magic et Nenny, allez, 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 mettez les mains en l'air. Allez, 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 Magic et Nenny. C'est Magic. Oh! Magic System. Magic C'est. système en galinière. Mais non, c'est. Allez, 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 mettez les Mains en mains en l'air. l'air. Allez, 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 allez. Magic et Nenny. Allez, 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 allez. mettez les Ouais, allez, va finir de te mains en l'air. préparer. Allez, allez, allez. Regardez-moi ce clown. Ah ouais, il fait la danse je sais pas quoi là. Allez, c'est bon. Ah ouais, alors toi tu mets un pantalon classique, un pull, ouais, mais avec un t-shirt de foot en dessous. Mais non! Oh! Mais ça se voit pas.
Si, bon, ben, je l'ai vu. Ah là, non, hein. Arrête, allez, c'est bon, là tu fais le clown. Là. Non, là tu fais, non, là tu fais des bêtises, je te filme plus. Non, tu fais des bêtises. C'est bon, je vais rester neutre. Voilà. Alors regardez Alan quand il est stressé, je vais vous faire voir. Quand je vois qu'il est stressé, je le vois, c'est à ça. Bouge pas. Voilà, regardez. Hop. Il attrape tout déjà sur là. C'est quand il attrape ça, là, ça va mieux parce qu'il est moins. Et je suis sûre que tu as stressé parce que tu as été au voir Lens la semaine dernière. Donc tu as stressé parce que tu savais pas comment c'était là-bas. Et puis là, ça va mieux. Ah, c'était qui avait dit que son mari et son fils, ils avaient été aussi à Lens, leur VIP. Qu'est-ce qu'il me l'a dit en commentaire? Parce que sa fille, elle avait gagné, elle va peut-être se reconnaître, elle va se dire, bah, c'est moi. Elle dit, ma fille, elle avait gagné des places, deux places, mais comme elle était en stage, elle a donné à mon fils, Ouais, avec et tu son... penses l'avoir vu, parce qu'avec un papa, avec un garçon. Ouais. Ouais, voilà, Est-ce donc. que ton Vas-y. petit frère, il est blond? Non, mais là, je parle à la maman. Ah, est-ce que votre fils est blond? Voilà, Voilà. voilà. On est des Parce infos. qu'il pense les avoir vus. Mais après, il savait pas, lui. Donc voilà, donc je vais vous prendre un petit peu chez BM, vous faire voir le Et magasin. à Décathlon. Et puis à Decathlon. Parce que je vais à Je vais Decathlon. vous montrer mes achats. Je vais prendre des sous, comme ça je vais prendre des trucs Ah, au il y a des sous. distributeur. Ah, voilà. Parce qu'en fait, toutes les semaines, je mets une petite pièce. Ça peut être 50 centimes ou 1 euro. Et bien là, voilà. Mais garde-les Et tes j'ai sous. 3,50 €. Voilà, il y a 3,50 €. Mais tu veux que je fasse quoi avec? Bah, tu laisses monter, laisse les faire des petits jeunes. Et après, tu auras un billet, tu échangeras un billet. Il y a déjà, quand tu auras 5 euros, tu peux me donner ta monnaie, je te donne un billet de 5. Vous voyez, c'est pour qu'ils comprennent comment gérer son argent, en fait. Est-ce que vous vous donnez de l'argent de poche à vos enfants? Dites-moi combien et est-ce que c'est par mois ou semaine? Voilà. Ça, c'est par mois ou semaine? Semaine, Ben, moi, c'est par semaine, je te mets une pièce. Il y en a, ils donnent par exemple 20 hein? euros pour C'est leur trop pour mon mois. ami! Eh, non, là, j'ai pas encore mis. Il y en a, ils mettent peut-être, ils donnent 20 euros pour leur mois, c'est à eux de gérer. Oh, ils me saoulent. Moi, avec mes filles, quand elles allaient au lycée et tout, qu'elles avaient le droit à des bourses, j'ai jamais demandé un centime à mes enfants. Bah, moi aussi, hein! Ouais, toi, tu vas me donner tes sous, toi. Tiens, tu T'as, ils me mettras donnent. 20 euros le mois prochain. Ah non, 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 tu laisses, t'auras de la monnaie, on échangera. Non, je les prends pas, Elle est Alan. belle, ouais, ma tirelire. Et tu l'avais eu où? À mon anniversaire par Janine. Ah, c'était ton anniversaire. C'était pas Noël. Ouais, c'était Janine. Ouais, Janine avait pris tout des. Donc 50 centimes. Ouais, 50 centimes. Attends, j'étais en train de dire un truc là. Donc dites-moi. Oh, ben je sais plus, je crois que c'était sur l'argent de poche. Ouais, combien vous donnez? Et 600 semaines, et puis. 1 euro. Ouais, mais pas. Voilà. Ouais, mais voilà, parce que là, que la clarté, c'est. Ça va pas, on voit pas bien. Fais comme ça. Oh. 2 euros. Non, mais le voilà, comme Et il n'y en ça. a plus. Donc Voilà. j'ai 3,50 €. Voilà, puis à Decathlon, il y a un distributeur de bonbons, là, vous savez, Kinder Bueno, tout ça. Ben voilà, dans quoi il va les Je vais prendre des dépenser. Kinder Bueno. Voilà, gueulard, il est gueulard, cet enfant. Est-ce que les Bueno sont empoisonnés? Non. Ouais, ils sont empoisonnés, les Non, Quendo. je crois pas que les Bueno sont Mais non, s'ils empoisonnés. sont dans les distributeurs, non, ils ont tout enlevé. Tout qu'est-ce qui était. Tout qu'est-ce qui était comme ça. Mais de toute façon, maintenant, il y a les Kinder Bueno, il y a eu sur les fromages, il y a eu sur les gruyères, il y a eu. Là, c'est sur les poulets. Vous avez vu sur les poulets, la grippe aviaire? Il parle déjà de Noël en plus. Hier, aux infos, il parlait de Noël déjà. La moutarde qui remonte, l'huile qui remonte, pénurie de tout. De toute façon, on arrive dans une France de catastrophique. Enfin, bref. Bon, alors, je vais ranger en attendant que ma fille, lui, il s'habille, va aller brosser ses Je suis dents, donner un habillée. coup sur sa figure, nettoyer ses lunettes, mettre ses chaussettes, C'est baskets. pas vrai. Moi, je vais débarrasser. Alors, Alan, là, on a sorti des livres hier parce que au collège, il doit. En fait, des fois dans la semaine, on a des jours où on peut lire 10 minutes. Et bah moi, j'ai plus de livres. Enfin, il y avait des, mais il les a lus, donc on a ressorti. Mais j'ai dit, si t'en as pas assez pour l'année prochaine, on peut aller à la bibliothèque. Hein. T'as le droit à On va 5 aller à la livres. FNAC. Non, j'achète pas. À la bibliothèque, c'est gratuit. Bah Regardez. lui, il est pas Là, c'est intéressant. sur le corps humain. Ben, si le corps humain est Lui, il est intéressant. intéressant. Là, c'est sur les dinosaures. Il manque une page qu'ils les avaient eu à l'école, vous savez, en maternelle, même en primaire, en fait, l'année, donner des livres. Donc voilà. Et Et ça, puis. c'est pour My Et ça, Little. ben, c'est tous des livres que j'ai retrouvés. C'est pour ma petite fille. Quand ma fille, elle vient là après, ben, je vais tout donner. Donc, peut-être des livres Il qui y a m'intéressent. Pochoir. Non, c'est petit. Hein, Babar. Marcel et Babar. Hugo. Chercher à Oh! trouver. Ça, c'était le livre que tu as vu en fin d'année en maternelle. Cherchez quoi? Faut chercher quoi? Là, c'est des livres Faut de. chercher le clown!
Ah non, faut chercher ça. De McDo, comme j'ai ma grande qui travaille au McDo, bah, je crois qu'elle prend des livres. Puis elle les avait donnés à Alain quand il était petit, vous savez. Et moi, je vais la refourguer à ma fille. Non, c'est vrai. Là, c'est quoi le loup? Ça aussi, ça venait. Mais ça, j'ai un doute parce que je crois que ça venait de la bibliothèque, ça. On l'a pas parce que rendu. Quand il y a un truc comme ça, c'est de l'école ou. Ouais. Mais j'ai jamais eu de réclamation, donc je trouve ça bizarre. Parce que regardez, il y a ça. Mais après, je vais. Voilà, ça fait des années que je l'ai. Regardez, regardez les enfants, les adultes. Hop. Ouais, c'est quand t'étais petit. Ta-da. Voilà. Là, c'est des trucs de Noël, des activités de coloriage. Attends, Alan, s'il te plaît. Et ça, c'est un... Dessins. C'est quoi? Art déco, coloriage, anti-stress. Regardez. Ouais, mais tu vas trop vite, vous voyez. Ouais, et comme ma fille, je sais qu'elle aime bien faire des trucs comme ça. Donc, voilà mes petits chats. Regardez, donc... j'en avais Alan. Je l'avais bien fait, hein. Bon, allez, je vous laisse là. Je vous refilmerai après, puis je vous mettrai cette petite vidéo... fin de soirée, alors que j'avais dit, normalement, moi, jeudi, on n'a pas, mais vous me manquez trop et ça me fait plaisir les commentaires que vous me mettez, donc je vais y aller, il n'y a pas. Hein. Je vais leur faire encore une petite vidéo. Non, mets-toi à l'autre côté, parce que la clarté, t'es où? T'es là. Ah. Vous notez combien la chaîne de Nathalie? Oh, 0 sur... Non. Hier, j'ai eu 2 à 3, attendez, non, 5. J'étais à 445 et je suis à 450. Donc, est-ce que c'est vous qui partagez ce que je vous ai dit partager? Ma chaîne sur votre Facebook ou quoi. Bon, écoutez, si c'est vous... Moi, normalement, qui partage. Ah ouais? Je vais voir s'ils ont partagé. Si c'est vous, je vous dis un grand merci. Mais si c'est pas vous, ben merci quand même. Merci. Voilà. Surtout, c'est regarder ma vidéo jusqu'au bout. Parce que le vu compte. Si, par exemple, vous regardez, je sais pas moi, les 50 premières secondes et que vous arrêtez, ben YouTube, il va pas me le prendre en considération que ça a été vu, en fait. Faut que c'est du début à la fin. Même si vous passez la vitesse rapide et tout, ça va pas compter. Faut que c'est normal du début à la fin. Voilà. Non, elle partage pas. Mais après, je vais demander à Alexa, ça peut après, me passer son ordinateur ce week-end pour que je vois... parce que là, je fais tout avec mon téléphone. Donc, je vois pas tout comme un ordinateur. Et les abonnés? Quoi? On danse bien, hein? Le petit bouchon. Oh, ma loulou. Ouais, allez, c'est vrai, ils l'ont vu. Allez, Alan. Allez, je vous dis à tout à l'heure, mes petits chats. Attention, ta tête, toi, le tiroir, regardez. Allez, à tout à l'heure, bisous.
J'ai gagné. J'ai gagné. Yes. Yes. Au revoir, à tout à l'heure. Arrête ta lame. Oh lolo. Allez, c'est bon, arrête. Donc voilà, mes petits chats, comme ça c'est propre avant que je m'en aille parce que j'aime pas partir et que c'est en bordel. Donc voilà, j'ai rangé. Voilà, par terre c'est pas sale, j'en ai un coup d'aspirateur quand je vais rentrer. Donc voilà, il est déjà là, il est déjà prêt à l'emploi. Donc ça c'est mon sac et le manteau du Alan. Voilà, donc c'est propre, j'ai déjà pris les chambres et tout. Bonjour à la personne qui va aller à la cueillette. Ah ouais, je sais plus c'est qui. Oh putain. Vous allez me voir. Oh. Oh, si vous voyez Alan de loin, sauvez-vous, faites une demi-tour, dites bon oui. Non, je rigole. Oh. En plus, ça fait longtemps, ça fait des années. Parce qu'en fait, moi, je restais ce clin, en fait. Et quand ça s'est fait, ça, la ferme du paradis, j'avais... Moi, je crois que j'étais déjà maman, je crois. Ouais. J'étais déjà maman des filles, mais c'était petite. Donc, ça date, hein. Ma plus vieille, elle a quel âge avec ça? 28. Parce qu'on a 20 ans d'écart. Et moi, je vais avoir 48. Ouais, c'est ça, 28. Elle a eu 28 en février. Donc, depuis le temps que je suis arrivée ici dans le Pas-de-Calais, j'ai plus été. Donc, ça fait combien de temps qu'on est ici? On arrive ici en 2000... Non, 2009. Mais non, mais avant, Noël et Vermel, 2009. Donc, écoutez, depuis 2009, j'ai pas retourné là-bas. Hein. Donc, ça va me faire drôle. Et apparemment, j'étais voir sur leur site. Tu y es changé. Maintenant, il y a du poisson. Enfin, il y a du frais et tout. Ça, je pense que ça doit être comme un grand frais, plus une... Un grand champ qu'on cueille dehors, quoi. Parce que moi, quand ça s'est fait, c'était que les légumes. Et encore, il n'y avait pas beaucoup. Ben, dans le grand champ, là, il n'y avait que là. Il n'y avait rien à l'intérieur. Enfin, il y avait, mais c'était juste pour payer, quoi. Et par contre, parce que là, je me rappelle plus de son prénom. Hein. Oh. Je voudrais aller à la serre aussi, à la serre de Canfin Carambeau. Carambeu, Carambeau. C'est à côté, de façon, voir pour des fleurs et tout ça. Donc, si tu as déjà été, est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que ça vaut le coup? On tutoie pas les abonnés. Si, moi, je les tutoie. Ils savent dès le départ, je les ai tutoyés. Et ils aiment bien. On peut pas dire. Vous, on n'est pas boubourche, hein. Oui. On est simple de simple. Donc, c'est tu, toi, il, elle. Voilà, c'est comme ça qu'on est. Non, je rigole. Donc, si tu connais la serre de Canfin Carambeu, parce que c'est à côté de Seclin. C'est entre Falampin et Seclin. Donc, dis-moi si tu as déjà été ou éventuellement si tu en as entendu parler, ce que je dois acheter mes géraniums là-bas, en fait. Voilà, bah, allez, je vous laisse et je vous reprends tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc, voilà, nous sommes partis. Non, Alan, non. Si, ils aiment bien quand ils me voient. Il m'énerve. Je vais vous le donner. Qu'est-ce qu'on veut? Dites-moi en commentaire qui est-ce qui veut adopter Alan. Quoi, non? Si. Il veut pas partir. Si, si, il va partir. J'ai pris mes sous pour prendre un truc au distributeur. Oh, au distributeur? Bah, Décathlon, il y a un distributeur, tu sais, de bonbons. Ah oui. Il va payer un café à sa mère. Ouais. Et à sa soeur. Oh là. Oh là. C'est parti. Faut l'essayer, à la neuf, faut aller en cabine. 160, il paraît grand. Ouais, il paraît grand aussi, moi. Mais, ouais. Les ballons. Il y a encore là, monsieur, il parle avec eux. Ouais. Ouais, il y a encore là de. Alan, viens, on ira après. J'ai passé ma vie à Décathlon. Regarde-le. J'ai pas. Allez, survêtement. Mais moi, j'arrive pas à mettre ça, là. Moi, j'en peux plus. Bon, Alan, ici, et vas-y, il y a des caméras. Hein. Je me suis quoi? Défoncé. Je me suis quoi? Défoncé les fesses. Je me suis fait quoi? Non, allez, Alan, moi, j'y vais. Bon, plaît, ça. Allez, ciao, salut. Bambinos. Ah, j'ai réussi. En blanc, hein. Alain, t'es chiant. Avec Messi. Attention. Oh, désolé. Oh, il est bon.
ma robe, une tête. Ah, ça c'est bien ça, pour faire des citronnades, je crois. Ouais, c'est en plastique. Ouais, mais c'est ça, des citronnades, mais elle là, est belle. Ouais, elle est belle. Ouais. Ouais, c'est des gobelets. Ah, ouais. Oh, ben ils sont là, les pro... Oh, ben... Il y a des couches de piscine ici. Ah bah ouais, mais je peux pas y aller sans... Même là, c'est bien, c'est le lot, ça. Il est magnifique. C'est quoi ça, tu vois? C'est un bras zéro. Il est donc cher. Il est super. Restez ici. J'arrive. Restez ici, j'arrive. Ouais. Il n'y a pas de prix. Et après, il y en a là aussi. Hein. Il y a peut-être le prix là, ouais. Il est vraiment beau. Mais c'est que c'est bien ça quand... Là. Bah lui aime pas, tu vois. Mais quand tu me sens comme ça, ça sent bon, tu les allumes, ça s'arrête. Mais là, c'est beau, hein. Ah non. Ouais, mais non, pas ma salle de bain comme ça, hein. Donc voilà, donc là je suis devant chez mon garçon. Donc il est au boulot là-bas, Renaud. Donc vous voyez, il n'y a pas loin. Et puis nous on est dans la voiture, ce qui finit à midi. Et puis ben, on attend. Du coup, il y a un truc d'hamburger et tout juste derrière chez lui là-bas. Et puis on a pris. J'ai pris un hamburger au maroilles. Alors attendez, je vais vous le faire voir. Donc voilà, et c'est du pain fait maison, donc tomate, hamburger, du maroilles. Et là, c'est un maison cheeseburger. Ouais. Voilà. Donc là, on attend et puis on va manger en attendant. Bon appétit! Bon appétit! Bon appétit. Attends, t'es prêt? Non, attends! Ah elle fait le tour à la compoule. Non, là, t'as vu sur ça. Heureusement, t'es pas là. Donc je vous reprends, il est 14h04, donc toujours le 5 mai, voilà. Donc j'étais à Decathlon BN, et où après? C'était quoi l'autre magasin? Zimane. Et à Zimane.
Donc, c'est Alan qui va faire les présentations. Donc, on va commencer. On commence par quel magasin, Alan? Ah, ça fait mal, regarde. On commence par quel magasin? Décathlon. Alors, Décathlon, tiens. Non, t'as pas besoin d'enlever. Si. Bon, c'est Décathlon, c'était pour moi, en fait. Bah, je pense qu'ils vont se douter. Bah, après, il fait du foot, il fait du sport à l'école. Donc, un c'est quoi? Un petit survêtement noir voilà. Et vert. Voilà. Attends, mets-toi sur le côté là-bas, Alan. Parce qu'avec la... Là, stop. Voilà. Voilà. Je vais l'essayer après qu'on a tout fini. Après. Tiens. Est-ce qu'on ne les met pas sur la table? Parce que ça porte mal. Ouais. Enfin, moi, on m'a toujours appris comme ça. Des petites chaussures. Non, des petites baskets pour le sport. Parce que les siennes, elles étaient toutes petites. Voilà, qui pose par terre. J'avais les mêmes. Bah oui, je prends toujours ça pour le sport, ça coûte 10 euros. Et un nouveau ballon! Et c'est le ballon de la Ligue 1. C'est là où Paris, Lens et tout joue. Voilà, il est beau, hein? Ensuite, on fait BM. Donc ça y est marqué là, hein. Ok. C'est pour la piscine. Allez, fais voir. Attends. Ça, c'est une bandelette d'analyse. C'est pour mettre sur les piscines. C'est pour faire les tests des c'est pH et tout ça pour les piscines. Voilà. C'est pour mettre sur la piscine. Ensuite, toujours BM. Ah. Bon, ça, c'est moi qui ai fait ça. C'est des grandes ficelles qui font 50 cm. Ça, je vais vous en sortir un. Ben non, tu peux voir comme ça, ils voient. Alors franchement, j'ai été surprise parce que ils sont moins chers à BN et plus grands. Attendez, je vais sortir mon ticket de caisse, attendez. Alors, chips soufflé fromage, 1,49€ pour... Il y a combien de grammes dedans là? Attendez. C'est très bon. Attendez, je peux... Il y a marqué quoi là? 30 grammes. Mais le paquet, il est grand, quoi. Il faut les mêmes actions pour 1,10€. Et il est vachement plus petit, quoi. Voilà. Et ensuite, les bonbons, comme j'ai le ticket de caisse, eh ben, 2,99€. Cher, hein, mais bon. Ah, il y a ça. Elle est où Ah, il y a la gourde. Mais il y a de l'eau dedans. Vide l'eau. Il s'est acheté une gourde aussi que quand il va au foot. Parce que j'en avais acheté une à Décathlon. Mais écoutez... Le couvercle ne se ferme plus. Du coup, là, on a pris une gourde là. La gourde, 3,99€. Et les bandelettes, 7,99€. Alors, vous allez dire comment ça marche parce que vous le capuchon. Mets-toi plus par là. Alors, ici, je sais. Ici, il y a un petit truc. Pousse-toi, c'est trop près. Mais ouais, mais non, ils vont pas voir. Mais ils sont pas aveugles. Mais ils vont pas voir. Oh là là. Ici, il y a un petit truc, comme vous voyez. Et il faut juste tirer. Et voilà, là ça fait pas, vous buvez. Voilà. Voilà. Et pour remettre, bah vous appuyez. Et pour mettre de l'eau, vous dévissez. Et ils sont pas bébêtes, hein? Non, mais tu sais, vu que toi, tu m'as impressionné des fois, donc... Oh, écoutez-le. Et là, bah, je vais vous faire voir, j'ai pris le kit de le produit que j'attends super bien parler. Donc, c'est la marque Fabulosa. Donc là, j'ai pris le coffret nettoyage citron lavande. Donc, fais voir le pack comme ça, puis je vais faire voir après qu'est-ce qu'il y a dedans. Ouais, c'est lourd. Donc, le pack, il était à 7€, 6,99€. Alors, donc, on voyez... va vous montrer ce qu'il y a dedans. Non, deux minutes. Maman. Faut leur dire qu'est-ce qui est marqué, coffret. Vas-y, lève le coffret. Tout ça pour ça. Donc, coffret nettoyant, voyez. Donc ça, là, il y a des microfibres. Voilà, des donc, soft, ben, c'est pas écrit en français. Donc, c'est des... Je sais pas si vous allez voir, regardez. Voilà. Désolée.
Donc ça, je vais le tester, puis je vous en parlerai. Ou si vous avez un BM près de chez vous. Parce que je vois beaucoup de youtubeuses qui s'en servent. Et, et même la caissière de BM, elle m'a dit, on fait fureur. Elle m'a dit, c'est encore mieux que non, les... C'est pas avec ça. Febreze, si c'est le même, c'est la même marque, c'est avec ça, mais c'est les mêmes marques. Elle m'a dit, vous allez pas. Après, on a eu. Bah, vas-y, c'est moi qui dois le faire. Ah, oui, tiens, bah oui, mais ça t'est fermé. Voilà. Il est marqué quoi? Ouais, mais il est marqué quoi dessus? Il est marqué formule prête à emploi, à l'emploi, éliminer les odeurs, mais fraîcheur non. Durable. Oui, mais il nettoie quoi? Alors attendez. Les vitres. Les vitres? Ouais. Donc, toujours citron lavande, je vous refais voir. Mais il nettoie quoi lui? Je pense que c'est élimine les odeurs. Je pense que c'est. Attendez, je lis. Après nettoyer la surface, vaporiser le produit sur la surface. Ah, par exemple, vos plans de travail, tout ça, vous savez, votre évier. Fais-le en attendant, je vais faire un truc. Voilà. Et il y avait ça aussi. Alors là, c'est un spray, donc comme ceci. Vous voyez, comme ceci. Et là, il nettoie bois, verre, métal. Plastique, bois, vert, métal. Et toujours, regardez, les vitres, ils font voir. Hein. Donc, toujours des poussières et février. Toujours citron lavande. Et j'avais eu un petit pitch comme ça, mais je l'ai donné à ma fille. Et on a testé sur un coussin, là. Et franchement, ça dégage une odeur, même t-shirt. Franchement, nickel. Et j'ai pris ça parce que ça, j'en attends toujours la même marque. Fabulosa, et c'est un genre de Febreze, vous savez, pour les textiles, les rideaux et tout. Et justement, même la caissière, elle me dit, je fais fureur avec les bidons là. Alors, vous l'avez en rose, en noir, j'ai vu, en bleu, je crois. Mais d'après la caissière, elle me dit que c'est le rose qui part le plus. Elle dit, c'est une dense, et puis il reste. Et apparemment, il reste à long terme, pas longtemps sur... elle dit que Febreze, vous mettez, hop, ça sent pas... Voilà. Ma tenue. Énormément quoi. Donc là, j'en ai pris deux bouteilles. Voilà. Là, je vais faire moi. Voilà mon jogging. Bon, donc les speech comme ça. Bonjour. Attends, j'ai pas fini, Alan. Bah vas-y. 1,99€ pour une bouteille comme ça. 1,99€ pour ça. Le coffret, 7€. Le coffret. Et il n'y a que saveur citron lavande. Hein. Et puis, ben voilà, même petit short, c'est tout. Hein. Ah, et après, on est à Ziman. Et puis, j'ai pris des caleçons pour Alan. Voilà. Il y en avait deux pour 3,99€. Donc, un et deux. Voilà. Voici ma tenue, mon survêtement. Voilà. Il me va parfaitement. Parfaitement. Franchement, je l'adore. Il y a une petite ouverture ici si vous voulez prendre l'air à vos jambes. Regardez, hop. Voilà, ah ouais, j'avais pas vu ça. Si vous voulez prendre de l'air. Ah ouais, bah, j'avais pas vu. Bon, allez, on va arrêter là parce que sinon ça va être une grosse vidéo. Et voilà. Donc mes petits chats, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vais faire le montage, je vous mets ça sur YouTube. Moi, je vais faire un deux. Et puis on se retrouve demain pour une grosse motivation ménage. Hein. Ah. En forme, en forme, ah. En forme. Alors, je vous fais plein de gros, gros, gros bisous. Et puis, à demain, mes petits chats.